à tout frère nous, tout ce nous, qui est actuellement là avec nous, et ça y est, qui branché, tous les amis internautes, tous les amis auditeurs, nous disons bienvenue. Et nous souhaitons de passer un très bon moment avec nous dans les études de la parole de Dieu. On a prié. Merci, bon Dieu, parce que ou même qui c'est bon Dieu, qui t'es bon Dieu, qui bon Dieu capture bon Dieu. Merci parce que ou toujours fidèle. Oui, même lorsque nous-mêmes nous pas qu'aimer nous, mais ou même ou toujours fidèle. Ou toujours là pour assister nous, ou toujours là pour vraiment ou toujours là pour prendre soin de nous, toujours là pour protéger nous lorsque le cahier est cher. Ou toujours là pour faire provision pour nous. Parce que où est-ce que ça peut passer et nous-mêmes nous limiter. Merci Seigneur pour ça. Et dans la fidélité, ou accompagnez-nous matin après que le Vénus sorti vivant dans la mort. Accompagnez-nous pour nous être capables là ensemble, pour nous être capables présenter le son, le corps du dimanche selon rendez-vous que nous fixons. Nous disons merci pour ça, Seigneur Dieu. Et dans la minute ça, nous avons demandé au Seigneur, nous avons invité à prendre place parmi nous, permettre que Seigneur, le son qu'il va présenter, ce n'est pas connaissance par nous qui va passer, mais c'est ça que nous-mêmes, on va véhiculer dans nous, c'est lui qui va passer, Seigneur Dieu. Et nous tous qui là, soit qu'à recevoir en tant que récepteur, nous-mêmes qu'à permettre, ensemble, Seigneur, on va préparer nous tous deux, on va permettre que nous, pendant que le message l'a véhiculé, on va permettre que nous-mêmes tous, Seigneur Dieu, nous pas seulement bâillons, mais nous prenons tout. Et nous va appliquer dans la vie, nous, pour ça que l'autre monde, Seigneur Dieu, même lorsque nous allons arriver côté de nous, nous pas même parler, mais l'autre monde, Seigneur, il va vraiment sentir nécessité, puis imiter nous, oui, puis rallier avec nous, et ensemble, Seigneur, nous va travailler pour la gloire de ton nom. Nous prions comme ça, nous disons merci, dans le nom de Jésus-Christ, qui t'est mort sur la croix, peut-être. Péchez-nous. Encore une fois, moi, saluer tous les frères et sœurs qui sont avec moi, l'Assemblée actuellement. On salue tous ceux qui branchent, tous les amis, les amis sur Internet, les amis Facebook, les amis YouTube, nous saluons. Radio KPN, Radio Génération 70, nous saluons. Yo même qui là à l'heure qui branché pour suivre vraiment comme à l'accoutumée le son l'école dominicale. N'a pas enchaîné parce que en tout premier lieu mon question pour nous est-ce que nous songeons qui dernière leçon que nous t'ai traité avec nous dernière leçon que nous t'ai ouais du mois dernier. Est-ce que nous songez le son ça? Donc, c'est sujet le son. Alors, c'est toujours le même thème, non? C'est la doctrine de l'Église. C'est ça qu'on avait étudié, la doctrine de l'Église. Et sujet A, c'est, et que sujet que nous avons commencé ouais, depuis dimanche dernier, c'est là, c'est les diacones de l'Église. Les diacones de l'Église, les diacres dans l'Église. Nous t'ai dit que sujet ça a gagné deux points là-dedans. Deux points. Premier point, c'est l'Église doit avoir des diacones pour travailler à côté des diacres. C'est-à-dire l'Église doit gagner diacres femmes pour travailler bon côté diacres garçons. Et deuxième point, nous t'ai dit que c'est les diacones, c'est-à-dire que diacres femmes. Eh bien, les diacones doivent être des sœurs honnêtes, des sœurs non médisantes, sobres et fidèles. C'est ça qu'on te dit. Et
texte de base que nous t'ai énoncé pour nous traiter ce sujet ça, c'était, si nous sommes le texte de base, c'est 1 Timothée 3, verset 11. Et qui dit comme ça, les diaconesses, non, alors, les femmes d'eux-mêmes doivent être honnêtes, non médisantes, sobres et fidèles en toutes choses. Ça, c'est texte de base que nous t'ai considéré pour nous t'ai capable de présenter le son. Ça, songez que nous t'ai fait exégèse, nous ne pas préférer encore. Nous t'ai posé la question, qui est-ce qui t'a parlé, de qui est-ce, à qui est-ce, à quelle circonstance. Donc c'était Paul, il t'a parlé avec Timothée, de ça, il était en Macédoine. Donc il t'a tardé pour retourner parce qu'il t'a placé Timothée dans l'église d'Éphèse pour voyager, parce que tu as gagné une fausse doctrine qu'il a enseigné. Donc, il était placé pour voyager, pour te contrer dans les faux docteurs, faire face à eux, etc., pour te superviser le déroulement servicieux et tout, pour te superviser la nomination, gens qui a nommé responsable dans l'église, évêque, pasteur, diacre garçon, et puis, comme nous avons diacre femme, diaconesse, donc diacre femme tout. Et ça fait que il était venu arriver côté que le dit. Et dans Timothée 3, verset 11 ans, il dit les femmes de même, dans le contexte, tu as parlé de diaconesse, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres et puis fidèles en toutes choses. Donc, nous t'es fait exiger ça. Eh bien, nous t'es au premier point en tout, nous t'es dit que c'est le premier point qui dit que l'Église doit avoir des diaconesses pour travailler à côté des diacres. L'Église doit avoir diacres femmes, diacres filles pour travailler à côté des garçons. Et nous songeons que, point ça, il y a deux sous-points à donner. Le premier sous-point, c'est les diaconesses dans la Bible. Nous relevons pas songer, non? Si nous t'assurons avec moi, c'est le premier sous-point, c'est les diaconesses dans la Bible. Et le deuxième sous-point, c'est quelles sont les responsabilités des diaconesses. Et nous t'ai développé premier diaconesse, premier diaconesse dans l'église, et je ne songe non, c'est Phébé. C'est premier diaconesse dans l'église, c'est Phébé. Nous t'ai dit ça dans Romains 16, verset 1, et Phébé, l'islamant dans l'église, il était bâillé tout le temps, il t'a servi tout le monde, il t'a aidé tout le monde dans l'église, il t'a reçu le monde dans la Kaili. Eh bien, Paul était même, il était reçu, même Paul était aidé tout, Paul était même, il est le protectrice. Parce qu'il était bâillé tout lui-même pour te servir dans l'église. C'est à partir de Phébé, eh bien, l'église vient de ça, la dernière, eh bien, l'institution des diaconesses. C'est Phébé qui inspire ça, l'institution de diaconesse en de l'église. C'est-à-dire que dans la majorité de l'église qui gagne, soit aux États-Unis, dans tout le pays, eh bien, gagne Jack Fom là-dedans. Yo. Et responsabilité Jack Fom, c'est même responsabilité à Jack Garçon. Même responsabilité. Pas une différence. C'est la seule différence, il n'y a pas garçon, il y a ses femmes. Donc, différence. Là, les bagages sont ces femmes, de ces mêmes rôles-là. Donc, c'est prendre soin local-là, prendre soin building-là et prendre soin l'autre monde. Prendre soin l'autre monde, vraiment, membre de l'église, prendre soin de ça qui n'a nécessité. Donc, ces mêmes rôles-là, pas rien, vraiment, différence. Et seulement, nous te suggérer dernièrement que, eh bien, il n'y a qu'à seulement. Et peut-être partager tâche là, côté que yo bay diakyo et garçon yo, prend soin local là, et puis diakyo fait œuvre sociale. Jodi an, n'a continué, n'a fini avec leçon ça, et semaine prochaine, nous allons l'autre leçon, et là, ça, c'est pas moi qui jeune, c'est d'autres orateurs, nous allons pour une jeune, c'est pas moi.
Donc je dis, on a vraiment continué avec deuxième point. Deuxième point, c'est les diaconesses doivent être des sœurs honnêtes, médisantes, sobres et fidèles. Ça, c'est le deuxième point. Les diaconesses doivent être des sœurs honnêtes, non médisantes, sobres et fidèles. C'est avec la fin de la leçon aujourd'hui. Hein? Point ça, deuxième point, il y a quatre sous-points. Je souhaite couper une note pendant la caillou. Quatre sous-points. Et premier sous-point, c'est des femmes honnêtes. Deuxième sous-point, c'est des femmes non médisantes. Et troisième sous-point, c'est des femmes sobres. Et quatrième sous-point, c'est des femmes fidèles. Donc, si on va répéter après moi, donc des femmes honnêtes, c'est le premier point. Des femmes non médisantes, c'est deuxième sous-point. Et troisième sous-point, c'est des femmes sobres. Quatrième sous-point, c'est des femmes vraiment des femmes fidèles. Maintenant, on a passé dans le premier point. Des femmes honnêtes. Honnête, bon, nous passons sur ça déjà. Ça, honnête veut dire. Honnête veut dire digne de respect. Respectable. Femme respectable, digne de respect. Conforme à la morale. Refusant l'hypocrisie. Donc, ça veut dire que c'est le contact de Jacques Nuyé, Jacques Fomme. Donc, Jacques Fomme, c'est-à-dire que Jacques connaisse. Puis, ils ont élu, ils ont sœur diaconesse, puis on est élu une femme diaconesse, ou bien puis on est élu une femme, mais faut li honnête. C'est-à-dire que faut li digne de respect, faut li respectable, faut li faire moun gen respect pour lui, de façon que la bagi. De façon que la bagi. Il n'y a pas de moun qui traite, un monde qui hypocrite. Bonjour, je dois la vérité. L'elle dit bonjour, c'est qu'elle qui parle. La façon de parler, nous disons que femme, vous comprenez, il n'y a pas de quitter. Il dit, mauvais mot, sorti dans la bouche, bêtise, mot sale, etc. De façon, même de façon honnête, là, là, les pile nous-mêmes. Pas même de façon de parler seulement, non, de façon d'agir seulement, etc. Dans condition peut-être que dans rapport qu'on gagne avec moun ak moun ou de honnête bon là les mêmes de façon pas habillé vous comprenez donc parce que vous devez vraiment et mettre aux gens pour pas vraiment attirer inado l'autre moun en tant que fille ou pas qu'on est général quand on met sur vous, eh bien, les cafés, notre garçon, vraiment péché. Donc, ça veut dire que même là, on est tout à aller loin. Donc, pour eux, lui, on forme diac, il y a sur vous. Il y a sur vous. Donc, là, vous, pas privé, comme nous soulignons ça, il y a sur vous. C'est comme nous, que, eh bien, quel que soit le monde de l'église, d'abord, en général même, des points de l'église, il y a sur vous. Nous connaissons bien ça, Mabdia. Nous connaissons que, par exemple, au Capaboué, il y a un monde qui est dans l'église catholique. N'a dit le fort, c'est comme ça lié. Là, il y a un bon rara. Là, il y a un bon madiga. C'est normal. Mais si vous êtes vous-même habitué, vous comprenez, dans l'église protestante, dans l'église chrétienne, dans l'église évangélique, yo wow, yo kon wa prêché, yo wow tellement. Et puis yo ta wow nan, nan ma diga, oh! Et pas li même notre jour. Ouais, yo kete wa oui, ou c'est lumière. Et puis oh, c'est pas. Et pas c'est tel, oh, et pas c'est tel, après la ma diga. Après, yo kete là. Donc ou c'est lumière. Et du coup, ou gen yeux baké sur vous, ou gen caméra baké sur vous. Ma ben, je suis venu leader. Ou gen caméra.
C'est comme dans le caméra surveillance. Ou en résidence surveillée. Donc, il y a tout jet sur vous. Tout jet braqué sur vous. De façon à pas briller, de façon à parler. Donc, c'est le premier suppléant des femmes honnêtes. Nous devons des femmes honnêtes, des femmes respectables. Donc, si nous voulons venir, vraiment, diacre, femme dans l'église. Nous avons passé dans le deuxième suppléant, qui c'est des femmes non médisantes. Médisantes, ça veut dire. Depuis nous, médisantes, médisances, nous avons fait médisances, ça veut dire, c'est parler, parler mal. Nous ne devons parler en mal de qui que ce soit. Nous va de dénigrer moun. Nous va de dire des paroles qui atteignent réputation moun. Nous va de sale moun volontairement. Discréditer moun, bay menti sou moun. Donc, yon femme ou bien yon sœur qui veut vin diak, femme ou bien diakonesse dans l'église, eh bien, puis elle lit. Eh bien, il faut que les par contre ne parlent pas mal. Donc, ouais, il est obligé à suivre. Oui. Donc, si quelqu'un qui t'étend ou ne parle pas mal, eh bien, il a campé, il dit, une motion, c'est un tel, moi-même, mes témoignages, les papa déjà connaissent. Parce que, ils ne parlent pas mal. Donc, ce qu'on a dénigré, moun, dit des paroles méchantes sur moun. Parole qui a atteint une réputation moun, parole qui a... ou pas de sale moun avec bouchou, ou pas de sale réputation moun, vous comprenez? Ou pas de moun qui a vraiment discrédité moun, qui a dit, donc, bagaille qui par vérité sur moun. Ou pas de dit des bagailles négatives sur moun. Donc, s'il vous plaît, ou même qui a une chance qui a tendé là, mesdames, yo, moi connais ça, nous remets ça, oui, moi connais nous remets, fait ça, vous comprenez? Nous remets tisez nous remets faites parler nous, mesdames. Ça, c'est pas un bacouet, c'est mentiment, non. Nous remets ça, tu parles nous, tisez nous là, prends tes téléphone nous là, il dit, vous comprenez? Et, petite, petite, nous aimez vous, vous comprenez? Nous remets pas tisez nous, etc. là, et nous parlons, Gasso. Bon, moi-même, les garçons remaisés, moi-même, je suis le garçon femme. Je suis le garçon femme, parce que je m'attribue ça à la femme. Donc, et je connais mes amis, je remets ça là, petit téléphone, ah, mon cher, je vais vous dire pour vous, vous avez tel monté la machine, tel, il y avait lui. Etc. Et donc, il remet ça. Donc, mesdames, il y a des yeux braqués sur nous. Il y a une caméra braquée sur nous. Connaît ça. Il y a des oreilles qui branchent sur nous. Il y a une caméra, il y a des yeux qui regardent nous. Donc, si nous voulons dire Jack Foman dans l'église, il faut connaître que des yeux qui braqués sur nous. Il faut nous vraiment, eh bien, font petit campo. Si nous ne sommes pas les gens mal, eh bien, font petit campo sur ça. Veut dénigrer moun et tiser nous à Isaïe, comprenez? Donc font-ils campon? Et parce que une femme qui aime faire ça, lit pas doué Jack, peut-être lit carré, mais elle pas doué, pas doué Jack, il pas doué Jack femme. N'a pas cela. Ça c'est deuxième sous-point. Donc nous t'ai dit que le point qu'on a étudié, c'est les diacones doivent être des sœurs. Des sœurs honnêtes, non médisantes, sobres et fidèles, nous avons quatre sous-points. Donc nous avons deux premiers sous-points, c'est des femmes honnêtes, des femmes non médisantes, qu'on y a passé dans le troisième sous-point, qui c'est des femmes sobres. Sobres, ça sobre dit. Sobre, c'est modéré. Modéré, réservé. Faire preuve de maîtrise de soi. Faut qu'on maîtrise les têtes. Vous comprenez? Faut qu'on contrôle les tatous. Contrôle les tatous dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Faut qu'on fait ça. Vous comprenez? Faut qu'on contrôle les tatous dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Et sauf, lui a dit simple.
dépourvu de luxe, non excès, pas gain excès, non extravagance, pas de gain extravagance. Donc, il y a une femme qui devine diac, femme dans l'église, il y a une sœur qui devine diac, femme dans l'église, qui devine diaconesse, faut l'y réserver, faut l'y modérer. C'est-à-dire que faut l'y faire preuve de maîtrise de soi, faut l'y contrôler tête, dans ça l'a dit, dans ça l'a fait. Faut contrôler langue ni, langage ni. Parole sale, on parle sous ta bouche ni. Parole méchante, non. Vous comprenez? Et, yon pasteur qui t'a prêché, on était toujours qu'on vraiment noté ça. Pas après c'est dit, soit pas de dit, parce que l'offre d'il, soit pas de dit, ou pas qu'à retirer. C'est-à-dire que faut pas dire parole pour dénigrer moun, pour sale moun. Non. Pas qu'à retirer l'offre d'il. Donc nous, avec des caméras braquées sur nous, mesdames, il y a des gens qui suivent nous, des oreilles qui attendent nous, la vie nous va priver. Vous comprenez? Il faut que nous contrôlions le langage nous. Et ce n'est pas seulement ça. Il faut que nous, en tant que si nous voulons venir, on diac, forme dans l'église, il faut que nous ne pas faire excès. Il faut que nous ne pas nous faire grand-pampan. Même grand-pampan, tout. Grand-pampan, dans Jean, nap, habillé, grand-pampan, dans dépense, même ça, tout. Donc, c'est pas moi. Non, donc, dans Jean, nap, habillé, on regarde dans Timothée 2, verset 9, 10. Qu'est-ce qu'il dit? Je veux aussi, regardez dans Bibou, après, si ça, ça m'a appelé, c'est ça, c'est vrai. Et Timothée 2, verset 9, 10, il faut regarder tout, oui. Parce que parfois, les gens qui parlent, là, ça l'a bien, il faut même checker le tout, si c'est vrai. Donc, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Verset 10, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, c'est Paul qui a parlé là, hein, Timothée, toujours. D'après Paul, mesdames, yo, comme c'est diakonès là, nous dans le contexte diakonès là, donc, diakonès, yo, eh bien, yo doit habiller avec décence. Décence, ça veut dire avec respect, bonne mœurs, comprenez, retenue. Ça veut dire que, dans le jour habillé, comprenez, donc, il faut que, comprenez, ou couvrir le corps bien. Il faut couvrir le corps bien. Parce que, il y a des parties dans le corps qui étaient dehors, eh bien, ou vraiment, pas de problème. Pas de problème, vous connaissez ça. Pas de problème avec les gens qui ont habillé. Et ensuite, tout, même si vous avez la terre noire, par exemple, vous avez la terre noire longue, mais vous avez évidemment coincé tout le corps, donc tout le corps paraît dehors. Même s'il était bouché le corps, il n'est pas bouché le corps, vous voyez, non. Il coincé tout le corps, donc tout le corps paraît dehors. Tout, il lit tout le corps net, sans lunettes. Voilà, vous comprenez? Ouais. Ou Dieu, là, il manque d'essence. Donc, on doit habiller avec décence. C'est-à-dire, avec modestie, ou Dieu simple, dans façon à habiller. Ou Dieu simple. C'est-à-dire que, on va bien faire bagarre pour nous, faire show off, ou bien, etc., caler corps, ou bien, c'est-à-dire, on 2-3 000 euros à mettre, etc., à Jao, ou pas besoin. Et, ou Dieu simple, en tant qu'on monde qui a venu servir. Ouais, j'ai servi, on a servi. Diaconéo, on diaconesse, la bini diaconéo, on a bini servi. Donc, on est très simple. Ou te kousaki, ou mette ou te kousaki, ou pipiti, parce que tout le monde qui est là. Et on servi, etc. Tout simple. Parce que l'on pas fait le conseil, on fait grand papa, et bien c'est pas une différence entre vous-même avec le monde qui est dans le monde là. Parce que même bagaille. Donc, on doit faire différence. Et verset 10 dans notre client, il dit au contraire, c'est que nous, qui pour plus, c'est que nous, pour y sanctifier, dans les gens qu'on a vu avec nous, dans les gens qu'on a servi nous, nous montrer que nous disposer, que nous pencher vers nous. Vous comprenez? C'est dans les gens qu'on a vu avec nous. Donc, et nous diaconès qui, vous comprenez, qui part vraiment qu'à contrôler tête comme ça, alors on se par contre de tête comme ça, l'ipaka, vraiment, l'ipadoué plutôt, diaconesse. Et même dans la dépense,
même dans ça l'a acheté, etc. Donc, il doit, par exemple, même dans ça l'a acheté, il va être extravagant. C'est ça, ce blabé dit, oui, pas de extravagant. De modéré, extravagant, par exemple, et, bon, nous connaissons des mesdames là, vous prenez, peut-être, c'est bon, on a pas dit exemple ça, c'est bon, surtout dans les États-Unis, dans le pays, ça y est, pays à grand, donc on a besoin de bonnes machines, beaucoup, oui, machines neuves, beaucoup, oui, yeah. Parce que là, ça passe pas bien loin, donc ça évite de faire trop de dépenses, mais par exemple, achetons une Lamborghini. On Lamborghini, on Ferrari, on qui ça encore, on Porsche, on Rolls Royce, on Bentley, machine ça vaut dans 200, 300, 400, 500 000 dollars. Bon, on pas besoin, donc ou de simple, etc. Mais c'est bon pour acheter une machine tout ça. Yeah. Donc voilà, nous et puis j'ai et troisième point hein, qui c'est sauve, des femmes sauves. Maintenant, dernier point, hein, des femmes fidèles. Quatrième et dernier point, des femmes fidèles. Fidèles, qui est fidèle? Fidèle, c'est. Fidèle veut dire sincère, loyal, franc, sérieux. Donc, il y a une femme qui devient, et vraiment, il y a une soeur qui devient diacre dans l'église, qui devient diaconesse. Donc, il faut qu'elle soit sincère. Il faut qu'elle soit vraiment. Il y a un monde qui est sérieuse en toutes choses. En toutes choses. D'abord, comprendre, vous devez être sincère avec bon Dieu. D'abord, vous devez être loyal avec bon Dieu. Donc, si ça va faire, eh bien, vous devez ne pas faire en tant que, d'abord, généralement en tant que chrétien, vous devez ce que peut-être en pile n'en nous pas fait, mais. N'importe quoi faire, ou doit généralement, même si vous n'êtes pas diacre, ou doit chercher volonté, bon Dieu, là. D'abord, est-ce que bon Dieu vraiment d'accord avec ce qu'on fait? Est-ce que lui vraiment a une volonté de la donne, etc. Et, donc, et ensuite, ou doit sincère dans la famille, sincère avec mari, alors comme c'est diacre femme n'a pas parlé, bon, bon, si n'a pas le diacre garçon, n'a pas dit avec madame, mais. Avec Marie ou de sous Marie ou de sincère avec petit toutou sous gain petit donc pas cacher la vérité pas cacher ça en fait on pas dire que ou candidat ouais même dans la caillou caméra sur vous candidat pour diacre dans l'église et puis gain ou faire Marie pas connaît ou on va acheter petit cabri dans Haïti ou voyez ben mal bon mon quoi et puis Marie pas connaît vous comprenez là ou petit bagaille caché etc. Ou non. N'importe ça, les mettre en virgule, faut marier ou qu'on est, etc. Donc, il faut que c'est sincère. Donc, si les oreilles qui connaissent ça, donc là, les bagailles ont facteur, parce que là, où vraiment, les petits bagailles et qui vraiment qui rédhibitoire, qui caché, ou pas de gain vice rédhibitoire. Et enfin, ou de sincère tout le monde. À tout le monde. Frères et sœurs. Quel que soit mon nom, qui dit contre mon Dieu, qui pas contre mon Dieu, ou lui est un modèle, donc c'est avec eux, ou de sincère à tout le monde. Voilà. Voilà. En conclusion, la vie ou pas privée. Connais ça. En général, la vie ou pas privée en tant que serviteur, mon cap servi, on a le cap servi. Ma besoin d'où sur le vin, vraiment Jack Fromm. Donc, la voie pas privée, ou mon caméra, c'est pour ta résidence surveillée, ou caméra, c'est pour ta gagner, ça n'a donc pas qu'à contrôler, ou qu'on bracelet électronique qu'à contrôler, etc. Donc, en conclusion, pour venir vraiment, yon seul dans l'église à Vini Jack Fom, faut yon ouais que ou son monde qui respectable, c'est-à-dire que par les paroles sales, comme ça dans bouchou, etc. Faut ou son monde qui n'ont mes 10 ans, c'est-à-dire que qui va dénigrer les gens, qui va dire des paroles méchantes pour détruire l'autre monde. Faut ou sauve, c'est-à-dire que faut ou modérer, faut contrôler le langage, faut ou pas un monde qui a fait extravagance. Et faut ou fidèle,
Elle dit qu'il faut que je sois sincère. Avec mon Dieu, il faut que je sois sincère. Et devant mon Dieu, et devant les hommes. Oui, ou qu'on seul bagaille. Oui, ou c'est oui. Non, c'est non. C'est non. Voilà. Nous censés boucler le son pour jeudi. Nous boucler lui. Et nous avons fait un rappel pour ne pas dire une récapitulation. Donc, sujet, leçon que nous vraiment étudié depuis dimanche et que aujourd'hui nous finissons. Sujet, leçon. Alors, thème, non, c'est toujours c'est la doctrine de l'Église. Mais sujet, c'est les diaconesses de l'Église. Nous voyons que les diaconesses de l'Église ils gagnent deux points la dernière. Premier point, c'est l'Église doit avoir des diaconesses pour travailler à côté des diacres. Elle dit l'Église doit avoir des diacres filles qui travaillent à côté des diacres garçons. Et nous voyons que il y a deux sous-points la dernière. Premier sous-point, c'est les diaconesses de l'Église. C'est qui est ça, premier diaconesse de l'NCFB, et depuis le SAA, eh bien, le diaconesse vient instituer en dedans l'Église. N'a plus une ampoule l'Église chargée de femme. Et deuxième sous-point, c'est quelles sont les responsabilités vraiment des diaconesses. Donc, qui sont habités une femme dans l'Église, c'est même si on habite avec des garçons, nous te disons déjà, prends soin local là au building, là, et puis prends soin monde qui n'a nécessité. Yo. Et si l'église a voulu, il peut partager avec garçon, il va garçon, prends soin local là, et bien mesdames, prend fait œuvre sociale. Ça, c'est si l'église a voulu. Et notez, Jean nous sont étudiés là, les points aujourd'hui, hein, c'est les diaconesses doivent être de sœurs honnêtes et non médisantes, sobres et fidèles. Donc, Jack, vraiment, pour le monde, vine vraiment Jack forme dans l'église, donc faut qu'il honnête, ça veut dire respectable, faut qu'il non médisant, ça veut dire que faut qu'il pas dire des paroles méchantes pour détruire l'autre monde, faut qu'il sauve, faut qu'il simple qu'on contrôle le langage, faut qu'il contrôle le langage lui, faut qu'il pas en extravagance et fidèle, faut qu'il sincère avec mon Dieu et avec les hommes, yon oui, c'est oui, yon non, c'est non. Donc nous t'es ouais série diakyo. D'abord, nous sommes finis avec le son ça sur diak garçon, diak fille. Nous devons les diak à l'église de Jérusalem, qualification des diak de l'église. Et je dis à nous finir avec diak femme et diakonesse de l'église. Donc, nous souhaitons que ça que nous vraiment étudier ensemble dans la question diac garçon à diac fille dans l'église, nous souhaitons que ça yo va servir de balise, il va servir de nutritif vraiment pour l'épanouissement de l'église. Et pour l'épanouissement de l'église, côté que si toutefois il y a des bagailles, nous t'a trouvé que qui, eh bien, pas bien agencé. Donc, nous va prendre des dispositions, nous va arranger nous va faire des arrangements pour nous vraiment, eh bien, mettre en réforme, pour nous réformer vraiment, question ça. Si toutefois, nous t'avons, d'après l'étude qui fait là, qui va bien agencé, donc, nous va prendre des dispositions pour nous vraiment réformer bagaille. Vous venez vraiment avec une réforme dans l'église pour l'église qui a pu bien marcher. Mais de l'autre côté, si toutefois tout le bagage était en forme, était bien agencé, eh bien, bon Dieu, prenons note, en Kébéla, continuez vraiment sur le même lancer. Et c'est comme ça. Bon Dieu, eh bien, là, vraiment, béni travaille-nous jusqu'à ce que, eh bien, le juge Jésus-Christ va retourner. N'a prié pour nous finir. Merci, bon Dieu, parce que vous avez fait nous faveur
pour jouer nous-mêmes tout, pour te servir avec nous comme orateur, pour te présenter le son. Et plusieurs séries sur Jack, Jack garçon, Jack femme. Et côté que l'église nous connaît que, eh bien, l'église, il y a deux entités, d'après l'étude que nous faisons, cap dirigeant. Donc nous gagnons les vraiment et vraiment les évêques, les pasteurs, nous gagnons les diacres, vraiment cap instrumentant dans l'église. Donc c'est Dieu n'a demandé au permettre que le son ça yo, eh bien, yo pas tombé vraiment dans terre sèche, yo pas tombé vraiment dans falaise, mais yo tombé dans bonne terre. Oui. Et c'est comme ça, tout le monde qui a une chance pour, eh bien, t'assimiler le son ça, tout le monde qui a une chance pour te réfléchir ensemble avec moi, tout le monde qui a une chance pour te brancher, eh bien, yo-même, Seigneur Dieu va permettre que, yo-même, Seigneur Dieu, il va prendre de bonnes dispositions, Seigneur, puis yo, si toutefois, t'as gagné quelque bagage qui va bien agencer, il va prendre de bonnes dispositions, yo-même, puis vraiment agencer bagayo, puis vraiment il va prendre de bonnes solutions, puis faire des arrangements, Seigneur, et c'est comme ça moi je crois que Seigneur l'église va marcher mieux, Seigneur ça il va marcher mieux parce que il y a monde dans l'église qui néglige dans l'église, il y a monde dans l'église qui besoin assistance dans l'église, oui il y a monde dans l'église qui besoin vraiment aide dans l'église, mais Seigneur eh bien travail là, li kon on jan bâclé, donc côté que yo pa wè moun sa yo, m'pense que à partir de étude ça, Seigneur Dieu, ou va permettre que gen des réformes qui faites, ou va permettre que gen des agencements qui faites, des arrangements qui faites, Seigneur Dieu, et c'est comme ça, l'église réellement va former yon seul jusqu'à ce que joie va arriver, oui, pour venir chercher vraiment. L'église, Jean que ou te remettre ça depuis avant vraiment la fondation du monde. Nous prions comme ça, nous nous merci. Non, non, Jésus-Christ, il t'est mort sur la croix pour te vraiment racheter nous du péché. Merci et puis bonne adoration.